l'accueil, la délégation algérienne, c'est l'une de celles qui a reçu le plus d'ovations avant cet incident. Oui. Et je crois à l'aéroport, vous êtes témoin. Donc, je pense que vraiment, cet élément ne devrait pas du tout influencer, n'est-ce pas, le dispositif et l'ambiance que nous avons ici à Douala. Je tiens à dire que les Algériens goûtent, n'est-ce pas, à la culture camerounaise longtemps à l'avant, bien avant cet incident. Dans nos restaurants, dans les lancines, partout, nous assurons une certaine sécurité. Cependant, je voudrais aussi dire que lorsque nous sommes en joie, en famille ou ailleurs, il faut également prendre certaines dispositions individuelles. Si dans cette salle, vous vous dites que bon, oui, on est en sécurité, bon, je peux quand même laisser mon portable là, je m'en vais aux toilettes, je ne dis pas à quelqu'un que j'ai mis le portable. Quand le portable disparaît, on remet en cause toute la sécurité. Donc je pense qu'il faudrait un peu relativiser les choses. Nous tenons à ce que rien n'arrive aux Algériens, mais que individuellement chacun prenne disposition pour ne pas s'exposer à quoi que ce soit.